Yo tout le monde, c'est Kylira, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur Conformity, un jeu d'horreur très court puisqu'il va durer même pas 10 minutes à peu près, c'est ce que j'ai vu sur internet, donc le jeu va être très court. Et vite fait, petite parenthèse avant de commencer cette vidéo, j'ai paramétré le jeu de long en large, j'ai mis toutes les possibilités de résolution possibles, plus résolution possible, c'est plus français, et le jeu lag à des moments, je ne sais pas pourquoi, genre là, je pense que vous le ressentez, ça lag, et je sais pas pourquoi ça fait ça. J'ai mis en fenêtré, en pas fenêtré, en résolution différente, en qualité différente. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression en plus qu'il n'y a que le start qui fait ça. Donc, c'est parti, partons à l'aventure maintenant. J'ai très peur. Autant vous dire qu'hier, on était sur Hotel, Dark Hotel, et là, on part sur Conformity, que des jeux indés d'horreur. Je pense que je vais canner au bout d'un moment. Ça va arriver, malheureusement. On va regarder si ça lag ou pas. Ça m'a l'air d'aller pour le moment. C'est quoi cette merde? Attendez, c'est normal le rocking chair? C'est normal le rocking chair au fond là qui... Déjà... Il y a un problème de physique avec ce rocking chair. Là il y a un camping-car. On peut pas y aller. Ok, on peut pas y aller. Et là, regardez ça. On a un problème de physique, hein, clairement, regardez. Il se passe quelque chose. Moi je vous le dis. Oh putain... Oh le bruit! Mais il y a un autre bruit, c'est pas possible! Oh là là! Ça va être un truc en mode The Ring ou pas? C'est un petit papier pour les mouches. Fort sympathique. Oh purée! Est-ce qu'on va avoir un truc à la The Ring? Ah, on peut examiner les items, d'accord. On peut les retake et tout, moi je veux les poser direct. Hein. Oh putain. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Parce que j'ai très peur. Oh la vache. Ok, on avance. Oh, ça m'a foutu les boules. Je sais pas par où aller en fait. Y'a tellement de pièces. Oh là là. Ça va me péter dessus, je le sens. Ça va me péter dessus, je le sens. Oh, très belle cuisine avec les trucs tue-mouches et tout le bordel là. Putain. Alors les trucs tue-mouches, il y a une clé là, on va la prendre. Oh purée. Oh l'angoisse. Il y a un truc là où c'est une vieille ombre. Non mais ça j'aime pas moi. Elle était par terre la canette. Oh je me sens pas bien. Donc j'imagine que c'est pour ouvrir cette porte là. Oh, j'ai tellement peur qu'il se passe un truc. Ça m'angoisse. Unlock c'est là. Je use. Oh. Oh. Oh putain. Ça m'angoisse. Oh, un petit magazine Dog, pour pas dire Vogue. Ok. Oh, on peut le lire. C'est bien foutu ça si on peut le lire. Ah ouais. Deux, trois trucs écrits dessus. Oh comment je suis angoissée. Et j'ai remarqué un truc aussi, j'ai un toc quand j'ai peur. Vous l'aviez peut-être pas remarqué, du coup maintenant vous allez faire une fixette dessus puisque je vais vous le dire. Mais en fait, j'ai remarqué que ça me grattait beaucoup. Genre quand j'ai peur, je me gratte le nez, je me gratte le visage. J'ai remarqué que je faisais beaucoup ça, vous voyez, là je suis en train de le faire. Super. J'ai remarqué que c'est un truc que je faisais beaucoup. Il fait trop noir là-dedans, j'ai pas confiance. F. Oh non, non. Ça sent mauvais. Oh putain, c'est quoi ce boucan là?
Bonjour. Je vais m'approcher. Rallume. J'ai des frissons. Oh, j'ai des frissons, ça va pas. Ok, elle, je peux la use. Oh putain. Non mais il veut me faire canner ce jeu ou comment ça se passe? Oh, mon chat il me regarde trop mal, il est toujours sur le bureau. Il me regarde tellement mal en mode... Excuse-moi loulou. Je suis désolée. Il est en mode tu m'as réveillé, tu m'as soufflé dessus là, ça m'en supporte. Oh, par contre les... Putain, non, mais c'est horrible hein. Ok. J'ai fermé la porte, est-ce que c'est une bonne idée? Maintenant, faut passer par la porte qui était. Oh les gars, je me sens pas bien. Oh, je me sens tellement mal. Ok. On y va. Mais je vais par où là? C'est comme cette télé, on peut pas la couper cette télé de. Oh oh. Oh. Je suis plus là, en fait. J'ai pas tellement compris la fin. J'ai pas tellement compris la fin là en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on doit en déduire? Je suis rentrée dans la télévision et du coup je suis passée dans l'upside down. C'est quoi ça? J'ai pas tellement compris la fin. Moi je vous invite à donner votre avis dans les commentaires. Me donner votre avis sur cette petite démo, sur ce petit jeu peut-être qui sortira jamais, ça on sait pas, hein, vous connaissez les bails. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Moi je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais pas quoi en penser pour le coup, je suis dubitatif hein, sur cette fin surtout. Autant Hôtel, j'allais dire Hôtel Rénovateur, absolument pas, autant Dark Hôtel, lui m'avait foutu mal. Lui m'avait foutu dans le mal, celui-là m'a foutu mal, mais pas autant. Pas autant, clairement. N'hésitez pas les amis à me laisser un commentaire, à lâcher un pouce bleu si... N'hésitez pas les amis à laisser un commentaire, à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Moi en attendant, je vous fais à tous de très très gros bisous, prenez soin de vous, faites de beaux rêves, reposez-vous bien, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!